Bien, chers amis, merci vraiment d'avoir accepté de passer cet après-midi à écouter de mauvaises nouvelles, puisque évidemment, vous y attendez, mais la description que je vais vous faire de la situation générale n'est évidemment pas une description d'un temps idyllique. Elle ne vous promet pas des lendemains tout roses. Elle ne vous promet pas une vie tranquille. Elle est au contraire la promesse de temps difficiles, d'épreuves qui viennent, de rudesses qui sont déjà en train de se mettre en place. Et donc, c'est particulièrement significatif que, sachant que j'allais tenir devant vous un discours qui n'est pas réjouissant, vous avez néanmoins été nombreux à répondre à cet appel. Et je pense que c'est effectivement d'autant plus important parce qu'il faut être lucide. Inutile de vous dire, nous approchons d'une période électorale et vous entendrez quantité de professionnels du spectacle politique vous promettre des lendemains qui chantent, vous promettre qu'il suffit de voter pour eux pour que demain tout aille mieux, qu'il va sans dire, une élection suffit et tout rentrera dans l'ordre, le monde d'autrefois reviendra. Ça, c'est évidemment une illusion, nous le savons, et donc je pense que pour toutes les personnes comme vous, il est important de connaître la situation, de connaître la gravité de la situation, de façon à mieux vous préparer à y faire face. Le choc sera rude, il faut en avoir conscience, mais justement, pour encaisser le choc, il faut être bien informé de ce qui s'avance, du plan qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Le thème qui m'a été proposé par les responsables de l'association locale, c'est le mondialisme totalitaire et le crédit social. Et je vais donc commencer à vous parler de ce crédit social, parce que ce n'est pas toujours une matière évidente. Les gens ne savent pas nécessairement ce que revêt véritablement cette expression « crédit social ». Le crédit social, on peut dire qu'il est né en Chine. Il s'est mis en place, il a été théorisé et déjà mis en pratique en Chine depuis de nombreuses années. C'est ça qui va peut-être vous surprendre. C'est le temps nécessaire à la Chine pour avoir mis en place ce système de crédit social, et puis la vitesse à laquelle les choses s'accélèrent maintenant pour le reste du monde, et en particulier pour l'Occident. La Chine a débuté en 2008 son programme de reconnaissance faciale. Et la reconnaissance faciale est évidemment un élément essentiel à la concrétisation du crédit social. Donc, pour vous expliquer les différentes phases, la reconnaissance faciale est un moyen, le crédit social est une fin, mais qui n'est pas la fin ultime. C'est une fin dans le sens que c'est un objectif de contrôle des populations. La reconnaissance faciale est un moyen pour aboutir à ce système de contrôle des populations. Le crédit social est un système à points. En Chine, chaque individu, homme, femme, enfant, représente un certain nombre de points. Vous avez évidemment une illustration bien concrète à laquelle vous pouvez comparer la chose, c'est votre permis de conduire. Vous avez en France tous un permis de conduire à points. Et si vous commettez une série
pas très importante d'ailleurs, d'infraction, d'accélération de vitesse non licite, vous allez perdre vos points jusqu'à éventuellement ne plus avoir votre permis de conduire et à devoir passer des examens, des suivre des cours, des formations pour récupérer vos points. Eh bien, en Chine, c'est la même chose, mais à grande échelle. Vous avez besoin de points pour tout dans votre existence quotidienne. Et donc, si vous perdez vos points, eh bien, vous allez très vite vous trouver dans la situation d'un paria dans la société. Je vous donne quelques illustrations. Il faut des points pour pouvoir prendre un avion. Il faut des points pour pouvoir prendre un train. Il faut des points pour pouvoir décider dans quelle école vous allez inscrire vos enfants. Il faut des points pour pouvoir envoyer vos enfants à l'université. Il faut même des points pour simplement acheter une boisson à un distributeur automatique. Donc, jusque dans les plus petits détails du quotidien, il vous faut des points. Si donc vous commettez des infractions aux yeux de l'État, vous perdez automatiquement des points. Et aux yeux de l'État chinois, illustration, le simple fait d'aller à la messe, de suivre une messe, c'est déjà évidemment l'objet d'une perte de points. Et qu'en Chine, vous avez une persécution qui s'opère contre le clergé qui n'est pas officiellement soumis à l'État chinois. Vous avez deux églises catholiques en Chine. Vous avez l'église catholique clandestine, dont on arrête régulièrement les prêtres et les évêques. Et vous avez l'église catholique du Parti communiste chinois, qui est la seule autorisée. Et encore est-elle autorisée avec une série de restrictions, puisqu'il s'agit évidemment de ficher toutes les personnes qui assistent à la messe du Parti communiste chinois. Mais les autres, eux, sont officiellement dans l'interdiction d'assister aux offices religieux, parce que le Parti communiste chinois a décrété que suivre la messe qui n'est pas dépendante du clergé du Parti communiste chinois est une dépendance à une vision qui n'est pas chinoise. Contre car la pensée, la transmission des traditions chinoises. Donc, régulièrement, comme je vous le dis, on arrête des évêques, des prêtres, mais on arrête aussi des personnes qui vont simplement assister à la messe. J'en reviens donc à la perte de points. Eh bien, pour vous donner quelques chiffres, les chiffres ne sont pas faciles à obtenir pour la Chine, compte tenu qu'elle n'est pas nécessairement envieuse d'être très transparente, et donc les chiffres arrivent avec un grand retard. Mais en 2018, 17 millions de Chinois n'avaient plus assez de points pour prendre un avion. En 2018 toujours, 5 millions de Chinois n'avaient tout simplement plus de points en suffisance pour prendre un train à grande vitesse. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est l'un des objectifs, évidemment, à court terme. C'est que on vous empêche d'être mobile de telle façon que vous cessiez d'être, d'une façon ou d'une autre, dissident vis-à-vis de l'État chinois. Si vous ne pouvez plus ni prendre l'avion, ni prendre le train à l'intérieur du pays, dans un pays aussi vaste que la Chine, ça signifie que vous êtes dans l'incapacité d'aller voir votre famille qui est dans une autre province chinoise, vous êtes aussi dans l'incapacité d'avoir un type d'activité professionnelle qui nécessiterait d'aller dans une autre province chinoise. Et donc, évidemment, c'est une façon donc de vous
de vous limiter dans votre liberté de vous mouvoir, mais dans votre liberté, donc, tout simplement, d'exprimer des convictions. Alors, donc, comment cela peut-il se traduire dans d'autres phénomènes? Il faut savoir que ce système de crédit social, donc, comme je vous le disais, il s'impose dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne. Et donc, à ce stade, la Chine n'a pas encore pu réaliser la couverture complète de son territoire en termes de caméras de surveillance avec système d'intelligence artificielle. Mais dans les grandes villes chinoises, à Pékin par exemple, vous ne pouvez plus, dans une gare, dans un métro, acheter une limonade, une bouteille d'eau à un distributeur de boissons automatiques sans devoir d'abord vous soumettre à un contrôle de reconnaissance faciale devant la machine qui vous propose des boissons. Et donc, ce système de reconnaissance faciale est censé, en temps réel, contrôler votre nombre de points. Et donc, si vous êtes un citoyen particulièrement dissident, eh bien, vous n'avez même pas assez de points pour vous acheter une bouteille d'eau. Donc, le crédit social ne laisse vraiment rien au hasard. Vous pourriez vous dire, bon, ben, on peut vivre sans prendre l'avion, on peut vivre sans prendre le train, on peut vivre sans aller à l'étranger et on peut vivre aussi sans aller dans une autre province intérieure à la Chine. Mais quand vous ne pouvez même plus acheter une bouteille d'eau dans une gare ou un métro, ça veut dire qu'on a passé vraiment un cap très important dans le système répressif de cette Chine à travers le crédit social, à travers le système de crédit social. Un autre point qui est particulièrement significatif pour ceux qui sont parents, grands-parents ou pour ceux qui deviendront des parents dans un avenir plus ou moins proche, c'est la façon dont le système de crédit social donc encadre l'éducation de vos enfants. Là encore, la Chine n'a pas couvert l'ensemble des écoles chinoises de ce système d'observation, mais dans une série d'écoles qui sont les plus avancées en termes de surveillance technologique, et c'est déjà depuis donc quelque chose qui est en place depuis plus de 5 ans, dans les écoles les plus surveillées, vous avez dans les classes même des caméras de surveillance. Dans les classes, les enfants sont en permanence surveillés par des caméras qui observent leurs moindres faits et gestes, et particulièrement leurs expressions faciales. Bon, il s'agit bien de voir s'ils sont dissipés, il s'agit de voir surtout comment leurs expressions faciales vont traduire une adhésion ou un rejet ou un désintérêt à la propagande officielle politique qui est faite à travers différents moments de cours. Puisque dans le cadre du programme du Parti communiste chinois, il y a une façon évidemment d'embrigader les enfants dans une série de visions politiques à travers des cours assez variables. Il y a toujours moyen de parler de politique dans des domaines les plus variés, en littérature, et même dans les sciences. Vous pouvez faire des exercices mathématiques ou physiques à partir d'un contexte qui est plus ou moins politisé, naturellement. Donc ces caméras de surveillance dans ces classes observent en permanence les expressions des enfants, et à la suite de l'observation de ces expressions des enfants par le système d'intelligence artificielle, l'État chinois, le Parti communiste chinois, détermine quelles vont être les orientations scolaires de vos enfants. Donc ce n'est pas vous, en tant que parent, qui décidez quel va être le cursus scolaire de vos enfants,
C'est encore moins vous qui déciderez si vous allez pouvoir les envoyer ou non à l'université. Tout ça est décidé par l'intelligence artificielle à travers une série d'algorithmes fournis par le Parti communiste chinois. Si donc votre enfant n'est pas, selon ses expressions faciales, enthousiaste à l'égard de la partie de propagande qui se déroulerait dans ses cours, eh bien, inutile de songer à un cursus universitaire. De la même façon que si les parents sont engagés d'une façon ou d'une autre dans une activité qui déplaît au régime, eh bien, il est aussi impossible pour eux d'inscrire leurs enfants à l'université. Le système va également plus loin dans les écoles les plus avancées en surveillance des enfants. On a un système de puces installées dans l'uniforme des enfants. Et ce système de puces est à ce point bien rodé qu'il parvient à détecter si un enfant échange la veste de l'uniforme avec un autre enfant. Immédiatement, il y a une alerte. Donc il n'est absolument pas possible d'escamoter la surveillance qui est mise en place à travers ce type de puce installée dans l'uniforme qui permet de suivre à la trace l'enfant, à la fois dans les couloirs, les bâtiments de l'école, mais aussi lorsqu'il franchit le seuil d'entrée de l'école. On sait si donc il sort de l'école à un moment où il n'y est pas autorisé, et on sait aussi où il se rend, et donc on sait exactement tout ce qu'il fait sur le chemin entre son domicile et l'école. Vous voyez, ce système ne laisse rien au hasard, la surveillance est assez impressionnante. Conséquence pratique de cette surveillance, c'est, vous en avez sans doute vu des images, vous êtes sur un trottoir, vous avez l'outrecuidance de vouloir traverser au moment où le feu est encore rouge pour les piétons, et vous n'avez pas encore atteint le trottoir d'en face que sur un écran s'affiche votre photo, votre nom, le montant de l'amende, et que l'amende est immédiatement retirée, déduite de votre compte en banque, tout étant numérisé. Donc, surveillance et répression sont instantanées. Vous n'avez aucun moyen de vous échapper. Il y a des reportages qui sont assez amusants où l'on voit quelques Chinois dissidents essayer de donner à d'autres potentiels dissidents des cours pour essayer de se faufiler, de s'accroupir, de s'abaisser, pour essayer dans les rues d'échapper à différents moments aux caméras de surveillance. Vous voyez, il y a des façons de marcher comme un canard pour échapper, être sous la hauteur de l'angle de la caméra, etc. Mais évidemment, malgré tout, même cela s'est repéré quand la police patrouille, qu'elle vous voit marcher en canard dans la rue, évidemment, elle trouve ça suspect, surtout si vous êtes à 5 ou 6 à marcher en canard dans la rue. Et donc, évidemment, elle va à ce moment-là contrôler les personnes et elles sont d'autant plus mises en surveillance. Et il y a des gens comme ça, des dissidents, qui sont régulièrement remis en état d'arrestation parce que voilà, le système a bien compris que s'ils se mettent à marcher en canard, c'est pour tenter d'échapper aux surveillances des caméras à reconnaissance faciale. Quelques chiffres encore. L'objectif de la Chine est de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle en 2030. On reviendra plusieurs fois sur 2030, cette échéance de 2030, puisque
vous êtes sans doute plusieurs d'entre vous, bien conscients qu'il existe l'agenda 2030. L'agenda 2030, c'est le moment où l'on doit basculer dans, grosso modo, l'application générale du Great Reset dans sa version la plus totalitaire. Bien sûr, cet agenda, il est modulable. Les choses peuvent prendre du retard. Il y avait au préalable le programme d'identification numérique ID 2020 qui a pris du retard. Et ID 2020 n'est toujours pas d'application alors que nous sommes en 2024. Le système d'identification numérique mondial n'a pas encore pu être réalisé. Donc l'agenda 2030 ne se réalisera probablement pas partout en 2030, mais en tout cas, il s'amorcera bel et bien en 2030, et il va sans dire que, hélas, l'Occident est naturellement toujours parmi les pays où les choses se mettent en place le plus rapidement. Des chiffres encore, pour essayer de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030, la Chine y consacre un budget annuel de 60 milliards de dollars. 60 milliards de dollars chaque année pour tenter de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle. 60 milliards, c'est une belle somme. En comparaison, la Commission européenne a développé, elle, un budget de 20 milliards annuels d'euros. Évidemment, il va sans dire que plusieurs pays se battent pour devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle. Israël aussi, naturellement, veut devenir leader mondial de l'intelligence artificielle. Je vous disais, pour pouvoir mettre en place ce système de crédit social, il faut évidemment des moyens préalables. À ce stade, même la Chine, qui a démarré la surveillance de sa population dès 2008, n'est toujours pas en mesure de couvrir l'entièreté de son territoire en termes de surveillance avec système de reconnaissance faciale. Pour de multiples raisons. La première, il y en a deux qui sont essentielles. La première, c'est le nombre de caméras. Pour pouvoir surveiller toute la population, il faut qu'il y ait des caméras partout, non seulement dans les grandes villes, mais aussi, à terme, dans les campagnes. La Chine a pour objectif de disposer d'un réseau de 600 millions de caméras de surveillance d'ici 2030. 600 millions de caméras de surveillance à reconnaissance faciale. À titre de comparaison, la France a aujourd'hui environ entre 1,5 million et 2 millions de caméras de surveillance sur le territoire, mais qui ne sont pas encore des caméras de surveillance avec système de reconnaissance faciale. Mais tout de même, notez-le, surtout pour ceux qui ont des activités militantes, il y a donc déjà plus d'1,5 million de caméras de surveillance sur le territoire français. Il faut aussi noter que, au niveau de la France, donc, pour estimer où on en est dans l'implantation de ces modes de surveillance, vous avez deux villes qui sont à l'avant-poste, Nice. Nice est la première ville en France qui a officiellement installé des caméras de surveillance à reconnaissance faciale. Et je reviens là du coup sur les trois conditions nécessaires à ce système de crédit social. Je vous disais, un, beaucoup de caméras, pas simplement sur les grands axes, mais partout. Deux, une identification numérique. Il faut que l'État ait emmagasiné une photo de vous qui permette à l'État que l'intelligence artificielle, à partir de cette photo, imagine par un système d'algorithme votre
votre représentation anatomique complète. Et l'intelligence artificielle est capable de le faire. Et trois, il faut que l'on passe à la 6G. Voilà les trois conditions pour que le système totalitaire mondial se mette en place de façon la plus efficace possible, la plus optimale possible. Donc, il faut les caméras de surveillance en nombre, il faut qu'il y ait une identification numérique qui ait été faite de la population, et il faut qu'il y ait la 6G. Et donc, au niveau de la Chine, elle est en train de mettre en place le nombre de caméras qui permettent une couverture assez complète, 600 millions de caméras. Elle a effectivement numérisé sa population et elle n'a pas encore la 6G pour couvrir l'ensemble de son territoire en temps réel. Mais comparons maintenant la situation avec la France. La France n'a pas encore les caméras à système de reconnaissance faciale officiellement ailleurs qu'à Nice. Mais il va sans dire qu'avec les Jeux Olympiques, s'ouvre une voie royale pour installer beaucoup plus de caméras. Officiellement, les nouvelles caméras qui sont installées à Paris ne sont pas des caméras à reconnaissance faciale, mais des caméras à reconnaissance comportementale. Cette petite nuance, c'est que, officiellement, l'État français ne dit pas encore que le renouvellement de vos papiers, permis de conduire, papiers d'identité, passeport, etc., a évidemment servi à l'identification numérique de sa population. À chaque fois que quelqu'un remplace son vieux permis de conduire papier avec une photo tamponnée par l'administration municipale, par une nouvelle carte d'identité, format carte de banque, eh bien, ça passe donc par l'identification numérique de l'individu. Les données sont emmagasinées dans les logiciels de l'État. Quand elles disposent de la photo numérisée de l'ensemble de sa population, elle a donc l'une des trois étapes nécessaires au système de crédit social. Reste la question de la 6G. Et là, la France s'est, il y a quelques mois, officiellement engagée, elle a ratifié la volonté auprès de toute une série d'entreprises technologiques de mettre en place la 6G pour 2030, encore une fois. Toujours cet agenda 2030, l'objectif de la France, du gouvernement de M. Macron, c'est donc d'avoir pour l'année 2030 installé en France le système 6G. La 6G, pourquoi est-elle indispensable pour la mise en place pratique concrète du crédit social? C'est parce qu'elle fonctionne au moins 100 fois plus vite que la 5G. Et c'est indispensable pour que les informations soient traitées en temps réel. Il faut que la caméra de surveillance vous photographie, si vous faites quelque chose qui sort des clous. Il faut que l'intelligence artificielle traite en des microsecondes la recherche de votre identité. Et cela, c'est pour cela que la 6G est nécessaire. Parce que c'est la 6G qui va procurer aux outils d'intelligence artificielle la vitesse nécessaire à l'analyse des données pour aboutir à un traitement instantané de ces recherches. Le système de crédit social ne veut pas se permettre d'attendre un traitement d'information sur 24 heures ou 48 heures. Il pourrait. Mais l'objectif, c'est vraiment de tout surveiller instantanément.
de tout pouvoir traiter instantanément, de pouvoir réprimer l'acte non désiré instantanément. Si donc l'on est en objectif 2030 et que nous sommes en 2024, vous voyez comme au cours des prochaines années, vous allez vraiment voir vos libertés se rétrécir. Vous allez voir toute une série de nouveaux outils se mettre en place. Et bien sûr, cela ne va pas être l'objet simplement d'une intensification en France, mais cela va faire l'objet de programmes accélérés dans l'ensemble des pays occidentaux dans un premier temps. Déjà, pour vous donner quelques indices aussi, pour ceux qui sont des voyageurs, soit pour des raisons touristiques, soit pour des raisons professionnelles, les gares allemandes sont déjà presque toutes couvertes par des caméras de systèmes de reconnaissance faciale. Et dans les grandes villes du Royaume-Uni, la couverture s'accélère pour également installer les caméras avec systèmes de reconnaissance faciale. Maintenant, vous pourriez vous dire, ils vont donc nous contrôler, mais ai-je quelque chose à me reprocher ? Alors ici, il y a des militants, ceux-là auront plus facilement compris les choses. Mais pour tous ceux qui viennent simplement avec une plus grande curiosité, voilà, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est un mal que l'État nous contrôle ? Est-ce que finalement, comme il est dit officiellement, est-ce que l'État nous contrôle pour notre bien ? Ne veut-il pas notre bien et ne sait-il pas mieux que nous ce qu'il faut pour notre bien ? C'est tout le discours de Klaus Schwab. Et vous pouvez aussi vous demander si cette surveillance par système de caméra reconnaissance faciale ne va pas assurer votre sécurité. Est-ce que ce n'est pas la clé pour que vous ne soyez plus jamais victime d'une agression ou que quasiment en temps réel, la police arrive toute sirène hurlante pour empêcher l'agression d'une jeune femme dans la rue, pour mettre fin à un cambriolage, etc. Bien sûr, on peut toujours rêver d'un gouvernement qui veut notre bien, mais depuis Saint-Louis, on a l'impression que les choses ne se sont pas améliorées et que c'était sans doute le grand roi qui voulait notre bien commun, mais que il a fait, lui, tout ce qu'il fallait devant Dieu pour le démontrer, mais que la République est donc, à partir de 1789, on a de moins en moins voulu notre bien et de plus en plus voulu nous contrôler. Et donc, je n'ai pas cette confiance dans l'État pour croire qu'il va assurer, grâce à cela, notre sécurité. Par contre, il va évidemment donc surveiller tout de nous. Parce que nous contrôler, vous allez le voir, je vais essayer de vous démontrer, ce ne sera pas uniquement dans la rue avec des caméras de surveillance. Ce sera partout, y compris chez vous, y compris au boulot, y compris à votre domicile. Au boulot, déjà parce qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui sont sollicités pour installer de la surveillance de leur personnel. Vous voyez ? Le système à la chinoise est en train de se propager avec une certaine vigueur. Et des employeurs sont prêts, eux, à être complices de cela, à mettre leur personnel sous surveillance et aussi à injecter une puce
dans le poignet ou la main de leur personnel. On a vu en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au cours des deux, trois dernières années, des entreprises se voulant innovantes qui ont proposé à leur personnel de se faire injecter une puce dans la main ou dans le poignet pour un bénéfice extraordinaire, devinez quoi ? Plus besoin de clé. Ah, ça, c'est formidable. Pourquoi pas se mettre une puce dans la main si on peut ne plus avoir de clé dans sa poche ? Et ce simple argument idiot a été suivi des faits. C'est ça qui est extraordinaire. Vous voyez, c'est la facilité avec laquelle on peut aujourd'hui conduire une part de la population comme un troupeau de moutons vers l'écarissage. Objectivement, comment peut-on se faire injecter une puce dans la main ou dans le poignet pour simplement devoir échapper à la lourde clé dans sa poche ? Ça semble être un argument complètement absurde. Mais l'on a aussi vu, durant les deux années de covidisme, des arguments complètement surprenants pour encourager les gens à se faire vacciner. On a vu des pays où vous aviez droit, par exemple aux États-Unis, dans certains États, vous aviez un bon pour un hamburger si vous alliez vous faire vacciner. En Italie, vous aviez un bon pour une pizza si vous alliez vous faire vacciner. C'est même surprenant que des arguments aussi nuls aient pu être utilisés. Auprès des enfants, on a, dans différents pays, proposé une glace pour qu'ils aillent plus spontanément se faire vacciner. Vous voyez, on a l'impression qu'il en faut de moins en moins pour obtenir l'assentiment de la population à des choses qui, tout de même, sont totalement contre nature et devraient l'être de façon évidente pour tous. Maintenant, donc, cette surveillance, je vous le dis, elle va s'intensifier dans votre cadre professionnel, elle va aussi s'intensifier, surtout, et c'est ça qui, me semble-t-il, est le plus préoccupant, chez vous à domicile. Je vous donne une illustration très concrète. Vous pouvez en faire le test vous-même assez facilement. Allez dans un grand centre commercial et allez visiter le magasin, un grand magasin qui vend de l'électroménager. Et observez tous les critères des dernières nouveautés en termes de matériel électroménager. Et vous allez voir que la partie consacrée, par exemple, au frigidaire dit intelligent est de plus en plus grande. Qui se sait qu'un frigidaire intelligent ? Il ne fait pas la cuisine à votre place, non. Mais doté d'une intelligence artificielle, il vous offre une avancée vers le progrès extraordinaire. Il vous dit quand vous n'avez plus de ketchup. Il vous dit quand vous devez racheter un pot de mayonnaise. Il vous dit quand vous devez remplir la bouteille de jus d'orange. Vous diriez, après tout, c'est un simple gadget. C'est un gadget qui est sans conséquence pour nous. C'est une absurdité du temps moderne, mais bon, après tout, et alors ? Oui, mais pour que cette intelligence fonctionne dans votre frigidaire, il y a un matériel technologique qui est installé dans ce frigidaire. Et parmi ce matériel, il y a un micro. Dans tout l'électroménager que vous allez voir être proposé dans les grands magasins, électroménager intelligent, électroménager connecté, il y a toujours un micro. Micro dans votre frigidaire. Micro dans votre robot ménager pour presser vos fruits ou faire vos sauces. Micro dans la partie four. Micro à l'aspirateur intelligent.
micro pour le matériel nécessaire à ce que, à la maison, vous ne deviez plus appuyer sur un interrupteur, mais que l'appartement reconnaisse que vous entrez chez vous et qu'automatiquement, à chaque pièce, quand vous entrez, la lumière s'allume, quand vous la quittez, elle s'éteint, et la lumière suivante s'allume. Tout cela est en train d'être proposé, voyez-vous. Et donc, à chaque fois, ces systèmes fonctionnent sur une intelligence artificielle, fonctionnent sur une connexion à l'Internet et fonctionnent avec un système de micro. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui... disons, imaginons un jeune foyer qui va aujourd'hui, avec un certain budget, acheter l'électroménager pour s'installer, elle va facilement avoir 2, 3, 4, 5 éléments à domicile qui comportent des micros. Vous pouvez encore me dire « qu'est-ce que ça peut bien faire quand mon frigo m'écoute ?» Mais ce n'est pas votre frigo qui vous écoute. C'est l'intelligence artificielle qui vous écoute. Et l'intelligence artificielle, elle emmagasine un maximum de données pour connaître de vous toutes vos habitudes, tout ce qui fait votre quotidien. L'intelligence artificielle, je dirais, messieurs, elle vous connaîtra plus que votre épouse et inversement. Elle connaîtra le moindre de vos petits, de vos petits rituels du quotidien. Oui. Alors, politiquement, ça a évidemment des conséquences. Parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas en roue libre. Elle sert le pouvoir. Pouvoir des multinationales et pouvoir des États. Et pouvoir des banques. Les trois fonctionnant ensemble. Cela veut dire que demain, si tout le processus continue à avancer selon le calendrier souhaité, vous allez ajouter un autre petit souci, c'est la disparition de l'argent liquide. La disparition des espèces. Les banksters en rêvent, les gouvernements y voient leurs intérêts, donc évidemment, il n'y a plus beaucoup de freins avant que les espèces disparaissent. On peut dire que le plus grand frein, paradoxalement, ce sont les trafics. Parce que combien de politiciens, finalement, s'entendent avec de grands trafiquants, avec des réseaux criminels? Combien de politiciens ont une partie de leurs campagnes électorales ou de leur budget de vacances ou de leur budget vestimentaire ou de leur budget de montre de luxe payé par des connexions avec des réseaux de grande criminalité. Et donc, les réseaux de grande criminalité n'ont évidemment pas intérêt à ce que les espèces disparaissent. Et donc, les politiciens qui aiment recevoir une valise avec quelques liasses, évidemment, ont besoin encore que les espèces survivent un certain temps. Mais, inévitablement, inexorablement, par rapport au projet général totalitaire, les espèces sont amenées à disparaître, sauf si vous êtes suffisamment nombreux à prendre des habitudes pour essayer au maximum de ralentir ce processus. Et donc, encore une fois, je l'insiste, c'est un leitmotiv, je le répète à l'envi, comme un vieux bougon qui a ses obsessions, mais de grâce, payez en espèces partout où vous le pouvez. Ne songez pas que c'est tellement plus confortable d'utiliser une carte de banque ou de payer par votre smartphone. C'est peut-être plus confortable parce que vous n'avez pas besoin d'aller à l'agence bancaire pour aller chercher du cash, mais le contre-coup de ce petit déplacement
d'aller chercher de l'argent à la banque, eh bien, c'est, dans un court terme, votre mise en esclavage. Parce que, concrètement, quand il n'y aura plus d'espèces, qu'est-ce que ça signifie ? Par définition, que l'État et les banksters sauront tout de la moindre affectation de votre argent. Vous avez votre employeur qui verse votre salaire sur un compte en banque. Toutes vos dépenses sont faites numériquement. Ça veut dire, le dimanche, vous allez à la messe. La quête, plus d'argent. Vous la faites de façon numérique. Le sacristain ou un fidèle va passer avec l'appareil, paiement avec carte, paiement sans contact. Bon, voilà, vous payez. L'État, il sait donc déjà que vous allez à la messe. Il sait où vous allez à la messe. Il sait que vous allez à la messe dans un lieu où le prêtre tient des discours qui ne sont pas très axe républicain. Donc, un point en moins. Dans le système de crédit social, vous avez franchi deux étapes. Vous allez à la messe et en plus vous allez à la messe là où le prêche n'est pas très républicain. Bah, deux points en moins. Bon. Le système de crédit social, passons pour ceux qui ne vont pas à la messe. Vous allez acheter un livre à la librairie. Mais lequel ? Bon, si vous achetez la collection Arlequin, les romans à l'eau de rose, pas de problème. Vous achetez un livre de Pierre Hillard. Vous achetez un livre d'un quelconque dissident. Bah, les banksters, l'État, le savent instantanément. Tant que ces livres sont d'ailleurs encore en vente libre. À terme, qu'en sera-t-il ? Vous allez à une conférence, à un meeting. Bon, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas vérifié, est-ce que l'entrée était gratuite ou pas, mais dans de nombreux cas, on vous demande une participation. Ben, vous allez assister à un meeting, vous allez assister à une conférence, vous n'avez donc pas d'autre moyen pour payer votre entrée que de la payer par voie numérique, ça veut dire qu'instantanément, le gouvernement sait que vous avez participé à une réunion des dissidents, que vous êtes de cette frange des infréquentables, des gens mis au banc de la société. Vous pouvez vraiment voir les conséquences en domino, hein, imaginez dans tous les domaines de l'existence comme cette surveillance sera totale. Vous allez manifester. Imaginons, il y a une manifestation au hasard contre l'euthanasie. Bon. Et quand vous emprunterez l'autoroute, que vous ferez votre plein d'essence, que vous sortirez de telle bande d'autoroute pour aller dans une direction qui donne une grande probabilité que vous allez participer à tel ou tel événement, tout sera traité instantanément. L'État saura que vous étiez à un endroit qui ajoute une grande suspicion sur votre cas. D'ailleurs, allons plus loin, hein, et dans ce qui est déjà d'application aujourd'hui, vous savez, quels sont les outils pour les policiers pour estimer combien il y a de participants à une manifestation ? Ce n'est pas en mettant des jambes qui vous comptent, 1, 2, 3, 4, 5, bon, non. C'est à travers les antennes 5G, on comptabilise dans un bureau combien de téléphones ont émis un signalement sur le périmètre de la manifestation. Donc, la police, elle a une donnée mathématique
assez concrète. Mais si elle est capable d'additionner tous vos téléphones pour l'instant, ben évidemment, avec le système d'intelligence artificielle, demain, elle sera capable non seulement d'additionner le nombre de téléphones qui ont émis un signal, mais elle sera évidemment capable de dresser la liste de tous les numéros de téléphone et des personnes à qui correspondent ces numéros de téléphone. Quand vous avez aujourd'hui une manifestation où il y a, disons, 40 000 personnes, la police, n'ayant pas encore le système d'intelligence artificielle à sa disposition, n'a pas le temps, la disponibilité pour mettre des fonctionnaires à l'analyse de tous les numéros de téléphone. Mais l'intelligence artificielle, elle le fera toute seule, à toute vitesse, grâce à la 6G, par traitement à une cadence extrêmement rapide. Oui, on saura que vous avez participé à une manifestation. Vous pouvez me dire que vous aurez eu la bonne idée de ne pas venir en manifestation avec votre téléphone. Mais pensez bien que toutes ces habitudes ne vont pas être, acceptées par tous les manifestants, les gens étant de plus en plus esclaves de leur smartphone. Vous imaginez à quel point ce détachement du téléphone pendant une demi-journée sera perçu comme une espèce d'amputation beaucoup trop douloureuse pour être admise par beaucoup de nos concitoyens. J'en ai une idée. Aujourd'hui, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années, dans l'armée belge, parce que j'y connais des officiers, on m'avait expliqué que même dans le recrutement des élèves officiers, pour les manœuvres qui vont être l'objet d'observation de leur comportement, bien on est obligé de leur permettre d'emporter leur téléphone portable, parce que sinon, ils sont trop déprimés, vous comprenez ? Mais si des militaires, si des officiers ne sont pas capables de se détacher d'un téléphone portable pour un exercice, pas pour une opération, pour un exercice. Alors imaginez la population dans son état général, la composition des adolescents. Imaginez à quel point l'addiction, elle est grande. Alors bon, oui. Donc cette surveillance, elle sera partout, elle sera jusque chez vous. Et qu'est-ce que ça signifie pratiquement ? Je vous signale une toute petite modification de la législation toute récente. Cette semaine, la loi sur le racisme, enfin, contre le racisme, a connu une petite modification. Désormais, même vos conversations privées peuvent être dénoncées. Donc imaginez, vous recevez un ami chez vous, vous lui parlez franchement, et puis cet ami est choqué. Il va au commissariat de police et il vous dénonce. J'ai été invité chez un ami qui t'a tenu des propos racistes, homophobes, transphobes, que sais-je encore. Bien, automatiquement, une procédure s'enclenche et c'est à vous de prouver que vous n'êtes pas coupable. La charge de... Il y a inversion du système accusatoire, c'est à vous de prouver que vous êtes innocent. Mais si vous avez des appareils d'électroménager avec micro tout autour de vous, mais c'est demain, non pas votre ami qui va vous dénoncer. C'est le robot, c'est votre frigo qui va vous dénoncer. C'est votre robot ménager qui va envoyer un signal parce que vous avez tenu un propos devant votre épouse considéré comme sortant de la légalité. Chez vous, vous ne serez plus chez vous. Tout ce qui vous entourera vous surveillera. C'est... Hier, c'était de la science-fiction.
Aujourd'hui, c'est de l'anticipation. Demain, ce sera la réalité. Ce sera votre quotidien. Vous pouvez noter un petit détail aussi très concret pour vous, d'ores et déjà. On est évidemment de plus en plus surveillé par des drones. Eh bien, la France s'est dotée de radars volants. Vous avez désormais en France des drones qui couvrent les autoroutes et flashent en plein vol les voitures qui font des excès de vitesse. Il n'y a plus besoin de mettre une borne. Les drones seront... Et plus besoin de mettre des motards. Les drones tournent et flashent et vous envoient évidemment la facture. Oui, la surveillance va être partout. Les drones sont l'un des méga outils de surveillance de demain. Vous avez encore, j'espère, en tête ces images durant le Covid, où même dans des territoires extrêmement reculés, en Chine, en Inde, eh bien, des drones venaient en temps de confinement, s'arrêtaient devant une vieille dame en lui disant « Rentrez chez vous, madame ! Rentrez chez vous !» On était en 2020. 2023-2024, les premiers drones radars. 2025-2026, des drones partout. Pour les Jeux Olympiques, la France a acheté un très grand nombre de nouveaux drones. Je signale aussi, c'est une anecdote, c'est parallèle, ça n'a pas de lien immédiat et direct, mais il y a quelques 3-4 ans, un responsable d'une grande entreprise technologique a fait devant une série d'ingénieurs une conférence sur les drones les plus performants. Et il a tenu un propos qui est étonnant, notamment au regard des lois contre le racisme, puisque, vous savez, il n'y a pas de race. Mais ce patron d'une grande entreprise technologique expliquait que dans le futur, les drones seront utilisés à des fins militaires et seront capables d'identifier des cibles en reconnaissant notamment l'ethnie à laquelle ils appartiennent. Donc une armée pourra envoyer une nuée de drones qui cherchera à abattre des cibles sur base d'une intelligence artificielle qui identifiera la personne sur le chemin en pouvant donc immédiatement considérer ami-ennemi. Vous voyez ? C'est quand même assez extraordinaire, hein ? Imaginez, en fait, tout cela n'a plus de limite, vous voyez. Tout ce que vous pouviez envisager comme le plus fantasmagorique est en train de se réaliser sous nos yeux. Alors vous me direz, bon, d'accord, donc ils veulent nous contrôler. Bien. Ils veulent donc nous museler en nous contrôlant, soit. Mais ça ne leur suffit pas. S'ils veulent à ce point nous contrôler, et nous contrôler pour nous museler, ils veulent surtout, dans l'étape suivante, organiser le grand plan de dépopulation. Et c'est peut-être le plus difficile à faire admettre au public lorsque j'en parle, mais pourtant... C'est une réalité qui n'est plus contestable. Voyez, cela fait maintenant des années que des milliardaires de type Bill Gates et autres tiennent des conférences qui, du reste, sont publiques, sont disponibles sur YouTube, sont tenues dans des auditoires de grandes universités pour nous expliquer que
la population doit être limitée à 1 milliard d'individus. C'est leur objectif officiel. Et 1 milliard d'individus, c'est l'objectif pour les plus généreux de ces grands promoteurs de la réorganisation mondiale. Les plus exigeants aimeraient que la population en soit réduite à 500 millions d'individus sur la planète. Mais à l'analyse, les plus généreux considèrent que non, tout de même, il faut suffisamment de gens qui vont travailler pour les oligarques, qui vont servir les oligarques, et donc 1 milliard d'individus, c'est la bonne proportion pour que les oligarques aient autour d'eux des gens qui vont œuvrer à tout simplement leur assurer le cadre de vie décent pour ces gens-là. Parce que, évidemment, vous devez bien comprendre une chose, c'est que le nouvel ordre mondial tel qu'il est en train de se mettre en place, tel qu'il est promu au Forum économique mondial de Davos, c'est l'étonnant mariage entre l'ultracapitalisme et le communisme, dans un système soviétique 2.0. Alors on pourrait me dire, mais comment est-il possible que ce mariage ait lieu ? Il est a priori antinomique. Et pas tant que ça. Pas tant que ça parce que, en fait, le communisme prône le collectivisme, l'ultracapitalisme veut l'enrichissement d'une minorité d'oligarques, de patrons, de multinationales, et tout cela peut très bien fonctionner ensemble. Vous êtes les non-souhaités, pour vous, le collectivisme. Eux sont les puissants, les oligarques, les détenteurs des multinationales, pour eux la propriété, pour eux les avantages de l'ultracapitalisme. La propriété, ce sera pour eux, la dépossession, ce sera pour vous. La fameuse formule de Klaus Schwab, « Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux », c'est pour vous. Eux, par contre, seront de plus en plus propriétaires, parce que pour votre bien, tout ce dont ils vont vous délester, il faut bien que quelqu'un en prenne possession. Alors, pour votre bien, ils prendront possession de tout ce que l'on va vous retirer pour que vous soyez heureux. Tout ça est assez logique, voyez-vous. Donc, transposition concrète et manifestation de paysans. Vous avez un phénomène qui s'observe aussi bien aux États-Unis que dans toute l'Europe, c'est que des milliardaires, des fonds de pension, des organismes de type BlackRock, Vanguard, etc., sont en train de s'accaparer un maximum de terres agricoles. À titre d'exemple, Bill Gates, aujourd'hui, est le premier propriétaire de terres agricoles des États-Unis. Les 5 premiers propriétaires de terres agricoles aux États-Unis sont 5 milliardaires. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'évidemment, donc, on est en train de mettre un processus en place pour qu'il y ait de moins en moins de paysans. La paysannerie va disparaître si on les laisse faire, au profit de grandes entreprises agricoles, de multinationales agricoles, qui décideront, selon les ordres des milliardaires qui en sont les propriétaires, ce qui sera encore disponible ou non pour le grand public, puisque c'est eux qui géreront ce qui sera produit par les terres agricoles, eh bien, s'ils ont envie de décréter que vous n'avez plus droit à de la viande parce que ce n'est pas bon pour votre santé, eh bien, ils décréteront que vous avez un ticket, un bon pour 100 grammes de viande par semaine ou par mois, et que le reste, c'est pour des gens bien en haut dans les strates, qui, eux, continueront à manger de l'entrecôte
autant qu'ils en veulent, mais vous, pour votre bien, pour votre santé, vous aurez un délicieux plat d'insectes qui est plein de protéines, parce que ces gens-là, encore une fois, savent ce qui est bon pour vous. Et cette transposition, on peut la faire dans beaucoup de domaines. Souvenez-vous du livre de Klaus Schwab, « Le Great Reset ». Eh bien, Klaus Schwab a été très clair sur la réorganisation nécessaire, par exemple, de la restauration, le monde des restaurants. Klaus Schwab expliquait qu'il y a beaucoup trop de restaurants et que donc, si à travers les confinements, les 2 ans de Covid, des restaurants ont fait faillite, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est un assainissement. Tout est toujours pensé pour votre bien. Mieux vaut que vous fassiez faillite, mon bon monsieur. On s'organise pour assurer votre avenir. À la place, ce sera un McDo. Et le McDo, c'est bon pour vous. Et vous, vous aurez peut-être dans 5 ans le salaire universel. Ça remplacera votre temps passé en cuisine. Tout est toujours pensé avec une vue sur plusieurs années d'avance. Mais voyez-vous, ils ne laisseront rien au hasard. C'est la même chose pour les artisans. Les artisans sont dans des conditions de vie de plus en plus difficiles. Mais tout est fait pour que tout ce que vous consommiez vienne d'un autre continent. Et donc l'artisan, il n'a quasiment plus de possibilité de contrecarrer les pays imbattables de produits qui viennent de Shanghai, de Singapour, ou que sais-je. Donc tout cela est parfaitement planifié pour éliminer toute une série de professions. La robotisation est un autre élément, naturellement. La robotisation va accélérer le processus de perte d'emploi par centaines de millions. Des centaines de millions de personnes vont, dans un avenir de 10-15 ans, perdre leur emploi. Alors on nous dit, mais ne vous inquiétez pas, d'autres emplois vont naître. Oui, d'accord. Mais la caissière de supermarché, à l'heure actuelle, demain, elle ne sera pas réparatrice de robots. Elle ne va pas, après-demain, devenir ingénieure en informatique. Que fera-t-elle ? Rien. Chômeuse. Assistée sociale. Et, suivez mon regard, voyez qu'au Canada, on en est déjà à proposer aux gens qui sont soit malades, invalides ou SDF, un bon pour l'euthanasie gratuite. Vous n'êtes plus un être utile dans la société de demain. Vous n'êtes plus ni un participant à la production, ni un consommateur. Vous devenez à leurs yeux un être inutile. Et cet être inutile, on l'encourage à accepter l'euthanasie. Qu'est-ce que cela dit d'une société qu'au lieu d'aider des gens à sortir de la misère ou les aider à vivre malgré leur handicap, on leur propose d'entrer dans une capsule dans laquelle ils vont se faire euthanasier? Qu'est-ce que cela dit d'une société? Qu'est-ce que cela dit d'une société quand l'État canadien va jusqu'à proposer cela à des militaires qui reviennent invalides des opérations dans lesquelles on les a envoyés? Comment peut-on traiter ses propres soldats de cette façon-là? Qu'est-ce que ça dit de cette société? Mais voyez-vous, c'est tout ce plan de dépopulation qui est en train de se mettre en place et il faut en avoir conscience. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous entendrez ce discours. Vous ne l'entendrez dans aucune grande formation politique qui se présente à vos suffrages. Regardez les dérives toutes récentes. L'on a pu mesurer l'évolution du Rassemblement national à travers des informations
toute récente sur son président Jordan Bardella. Figurez-vous que ça fait au moins un an que Jordan Bardella a comme conseiller, oui, conseiller, le docteur Laurent Alexandre. Le docteur Alexandre, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous le rappelle, c'est un chirurgien urologue qui a fait fortune en lançant la plateforme Doctissimo, donc une plateforme de conseils médicaux en ligne. Il l'a revendue pour un montant colossal. Il est devenu un exilé fiscal à Bruxelles pour échapper aux impôts sur la fortune. Il est surtout le promoteur viscéral du transhumanisme. Sur les plateaux de télévision, il vous dit que l'homme 1.0 est déjà mort et qu'il n'y a plus de place que pour l'homme 2.0. Et c'est ce personnage-là qui est devenu le conseiller de Jordan Bardella en intelligence artificielle. Et Jordan Bardella vous donne encore un élément supplémentaire pour comprendre l'adhésion de son mouvement au système mondialiste. C'est qu'il vous dit qu'il a été fasciné, tenez-vous bien, par un livre. Alors là, c'est vraiment, il en est baba, c'est son livre de chevet. C'est le livre d'Harari. L'un des conseillers de Klaus Schwab. Mais que peut-on, dans ces cas-là, attendre d'un tel bonhomme et d'un tel parti? Vous l'avez bien compris. Ces deux informations-là suffisent, alors qu'il y en a beaucoup d'autres, le vote sur l'avortement, l'accolade avec Meir Habib, etc. Mais retenons simplement ces deux informations-là. Laurent Alexandre comme conseiller et Harari, le bouquin d'Harari, comme livre de chevet, vous avez compris qu'aujourd'hui, le Rassemblement national fait partie du paysage politique adoubé par le nouvel ordre mondial. Qu'en gros, il y a le plan A, c'est que les bons membres de l'arc républicain gagnent les élections. Ils ont un mot temps parce que diluer les fromages en trop de parts, c'est désagréable. Mais si c'est le plan B, si jamais les populistes dans l'électorat n'ont pas pu être jugulés, c'est Bardella, Marine et consorts qui arrivent au pouvoir, c'est pas un souci. Ils sont déjà inclus dans le paysage politique mondialiste sous contrôle. Et ils feront exactement la même application du programme que les autres. Bardella va à la Grande Loge nationale française, Bardella a signé l'avortement, c'est exactement le même programme, ils ont tout accepté. Vous me direz, oui mais sur l'immigration, peut-être qu'ils feront une autre politique. Je pourrais vous dresser la longue liste, le tel maire du Rassemblement national qui a souhaité joyeux Ramadan, qui a... Autant, combien de maires qui ont signé pour la construction de mosquées, combien de députés du Rassemblement national qui ont souhaité tous leurs vœux de succès lors de la réélection de Meir Habib. Ben, il rappelle quand même que Meir Habib, c'est carrément la juridiction française qui avait invalidé son élection, qu'il y a eu un nouveau tour d'élection, qu'il a donc été reconfirmé dans son élection par les électeurs français d'Israël et de quelques autres pays. Parce que oui, vous avez un député d'Israël à l'Assemblée nationale. Et que eh bien oui, à partir du moment où il a été réélu, vous avez de façon publique, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, désormais X, toute une litanie d'élus du Rassemblement national qui ont félicité M. Meir Habib. Un extraordinaire. Ils ont félicité M. Meir Habib, qui, je le rappelle, dans les années 80, attaquait un défilé d'hommage à Sainte-Jeanne d'Arc à coups de barres de fer et de chaînes de vélo, qui ont laissé des vieillards en sang et des enfants blessés sur le trottoir.
Et c'est ces gens-là qui sont félicités par les actuels élus du Rassemblement national. Et c'est à ce personnage-là que Jordan Bardella fait l'accolade dans la cour des Invalides lors d'une grande cérémonie. Allez. N'ayez aucune illusion. Aucune. J'en reviens à ce plan de dépopulation. Je suis extrêmement long et je crains de largement déborder. Oui, je débarde très largement. Mais je vais essayer de conclure très vite du coup. Le plan de dépopulation est en train de se mettre en place et vous pouvez le constater donc par différents éléments. Ce n'est pas un hasard si vous avez en France la constitutionnalisation de l'avortement. Cette constitutionnalisation de l'avortement ne conseille pas, ne vaut pas comme mesure que pour la France. Elle est répercutée de par le monde parce que c'est le premier pays qui inscrit l'avortement dans sa constitution et donc ça a un effet planétaire, même si cela n'a d'effet pour l'instant qu'en France. Vous avez le projet imminent de légaliser l'euthanasie sous sa forme complète. Et on sait déjà à quoi ça mène. Je vous le rappelle, il y a deux pays qui, à l'heure actuelle, ont déjà légalisé l'euthanasie sous la forme que la France veut faire. C'est la Belgique et les Pays-Bas. Quand on franchit cette première étape, l'étape suivante, c'est d'autoriser l'euthanasie pour problèmes psychologiques et c'est d'autoriser l'euthanasie des enfants. Vous avez en Belgique des cas extrêmement malheureux que j'ai suivis où des jeunes filles, simplement pour un problème de dépression nerveuse, pour un problème de burn-out, elles ont 20 ans et elles se font euthanasier. Vous avez ce système absolument honteux de culpabilisation des enfants pour les encourager à signer leur euthanasie. Vous avez des reportages qui ont été faits par les télévisions officielles parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont honte de rien, où l'on voit le personnel médical venir parler à un enfant en état, disons, un enfant cancéreux, un enfant leucémique, en lui disant « Tu sais, tes parents, ils ont beaucoup de peine, ils souffrent beaucoup. Venir te voir tous les jours, c'est extrêmement douloureux pour eux. Ce serait tellement plus allégeant pour leur douleur si tu acceptais de signer que tu veux bien qu'on t'euthanasie. » On en est là. On en est là. Qu'est-ce que ça dit d'une société ? Avortement, euthanasie. Vous avez bien sûr les virus, vrais ou faux. Les vaccins, vrais ou faux. Les effets secondaires, vrais, ceux-là. Vous avez les guerres, inévitablement. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a surtout de l'esbrouffe, surtout une propagande pour encore vous plonger toujours plus dans la peur, dans l'angoisse. Mais il n'empêche que ici ou là, de par la planète, des guerres ne manquent pas et que la guerre est aussi un outil pour l'accélération de la dépopulation. Vous avez la nourriture. Quand vous serez invité à manger plus que de raison de jolis vers ou autres cancrelats ou je ne sais quel type d'insectes, vous apercevrez que, un peu comme le formidable vaccin qui nous était vanté, il y a des effets secondaires. Oh, ben ça, quelle surprise! Et inévitablement, vous voyez l'explosion des cancers, des problèmes de myocardie, des. Mais en nous faisant manger des choses pour lesquelles l'homme n'est pas fait, eh bien, vous allez vraiment accentuer ce processus. Et du reste, si vous n'aviez pas encore envie de céder aux insectes en entrée et en plat principal, voire dans votre dessert, vous avez une autre programmation encore tout aussi sympathique, c'est la viande artificielle. Vous savez qu'il y a désormais une usine en Israël qui est leadership dans le domaine, qui a mis en place, tenez-vous bien, des imprimantes 3D pour faire sortir de la fausse viande. C'est tellement beau à voir. Vous avez ce qui sort de rouge pour vous faire un aspect un peu sanguin.
ce qui sort de blanc pour vous faire un aspect de gras. Vous mélangez tout ça. Oh, quelle merveilleuse entrecôte que voilà. Et ça vous évitera de manger un morceau de bœuf, parce que le bœuf, vous le savez tous, ça nuit à la planète. Il faut absolument arrêter avec les troupeaux bovins, avec les moutons, et sans doute demain avec les poulets, parce que, vous savez, leur mode de fonctionnement, ça produit du CO2, mauvais pour la planète. Donc, alors qu'un insecte, par contre, vous l'aurez tous remarqué, c'est joli, et ça ne produit pas de CO2. Et ça croque sous la dent. Et... vous ajoutez à ça un autre élément, c'est l'appauvrissement général organisé. Parce que qui dit appauvrissement de la population dit que la population se nourrit moins, se nourrit mal, se soigne mal, ne se soigne pas éventuellement. Donc, vous voyez, tout cela s'additionne. Ces gens-là sont suffisamment intelligents pour ne pas organiser... la piqûre à 6 ou 7 milliards d'individus, évidemment. Il ne faut pas quelque chose de trop voyant. Non, il faut un éventail de mesures qui s'ajoutent, s'additionnent les unes aux autres sur un agenda de quelques années pour accélérer un processus de dépopulation. Je rappelle une citation... révélatrice, elle date de mémoire de 1991, elle a été publiée dans le journal de l'UNESCO, organisation formidable, non, qui ne veut que votre bien, en plus elle défend le patrimoine, donc quoi de mieux, et article signé par le commandant Cousteau, c'est un extraordinaire personnage, passionné par les baleines, les petits oiseaux, etc., et qui, quand même, sur un ton extrêmement sérieux, vous disait qu'il faudrait trouver le moyen d'éliminer 350 000 personnes par jour. Il est gentil, Cousteau. Et il vous disait que, évidemment, le problème, c'est que c'est difficile à entendre. Donc on ne peut pas expliquer cela de façon trop évidente, trop publique. Mais ça devrait être l'objectif, 350 000 personnes par jour. Donc comprenez, c'est ma conclusion sur le mondialisme, le crédit social. Le crédit social est un moyen, l'objectif final c'est la dépopulation, c'est la mise en place d'un système totalitaire qui surveillera tous ceux qui ont reçu leur billet de survie pour servir l'oligarchie. Et que faire dans ce cas-là? Non pas installer une corde au plafond parce que ce que je vous ai dit est absolument déprimant, mais essayer de nous organiser. Les partis ne vous sauveront pas. Il n'y aura pas d'homme providentiel. La Russie ne vous sauvera pas. Les États-Unis ne vous sauveront pas. Le Brésil ne vous sauvera pas. Ce n'est ni Bolsonaro, ni Trump, ni Poutine... qui viendront chasser les mondialistes et vous permettre de retrouver la vie d'autrefois. Votre sort, il est entre vos mains, sous le regard de Dieu. Cette phrase de Sainte Jeanne d'Arc, « En nom Dieu, les hommes bataillent et Dieu donne la victoire », elle est encore et toujours d'actualité. Voulez-vous vous sauver ? Tournez-vous vers Dieu, parce que vous ne vous sauverez pas sans Dieu. Aujourd'hui, cette bataille, elle est d'essence eschatologique. Ce monde qui veut organiser ce totalitarisme, qui veut organiser cette dépopulation, il est d'essence satanique. Les Bill Gates, les Zuckerberg, les Soros... les Warren Buffett, les Rothschild et Rockefeller servent un plan qui n'est pas humain, mais qui est satanique. Le défunt et regretté, n'est-ce pas, Lord Jacob Rothschild,
s'était volontairement pris en photo avec la grande prêtresse satanique Marina Abramovic, autrefois quelque temps directrice chez Microsoft, grande prêtresse satanique qui organisait des soirées de dégustation de boissons à base de sang et autres produits tout aussi attrayants les uns que les autres, en présence notamment à l'époque du chef de campagne d'Hillary Clinton lorsqu'elle était candidate à l'élection présidentielle. Eh bien, ce Lord Jacob Rothschild posait avec Marina Abramovic devant un tableau dans la Galerie d'art de Londres. Et ce tableau n'avait pas été choisi au hasard. Ce tableau s'appelle « Satan convoque ses légions ». Qui veut comprendre ? Qui veut voir ? Qui veut lire ? Qui veut entendre ? A tout en main pour comprendre vers quoi nous allons. Et donc, c'est une nature... Ce qui est en jeu nécessite que nous acceptions que la bataille doive être placée sous le regard de Dieu. Si nous refusons cela, nous avons déjà perdu. Croire que par des moyens naturels, seuls nous allons y arriver, c'est panne perdue. Croire que c'est par un bulletin de vote, c'est panne perdue. Par contre, nous organiser en réseau locaux, en clan, sous le regard de Dieu, c'est la seule solution qui nous reste. Aujourd'hui, l'épreuve de force est impossible. En face de nous, nous avons un monstre, un colosse, qui avance en écrasant tout sur son passage. C'est une armée de rouleaux compresseurs qui se dirige. Mais n'ayez jamais oublié que ce monstre a des pieds d'argile. Quand Dieu veut, où Dieu veut, il inversera le cours des choses. À vue humaine, c'est perdu. Mais je sais qu'ici, la grande majorité d'entre vous a la foi. Et c'est ce que j'espère pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ayez la foi. Parce que c'est dans cette foi que vous trouverez les ressources nécessaires pour supporter les épreuves qui viennent et pour résister aux épreuves qui viennent. Mais pour cela, vous devez maintenant, sans tarder, vous organiser au niveau local, en clan. Vous devez apprendre à savoir sur qui vous pouvez compter. Vous devez tester les gens qui sont potentiellement membres de ce clan. Vous devez évaluer si vous pourrez compter sur eux lorsque les temps d'épreuve viendront, et ils viendront, et ils viendront vite. C'est maintenant que vous devez savoir si, quand vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, il vient ou il trouve toujours une excuse pour ne jamais venir. Si, quand tout va bien, un ami trouve toujours mille excuses pour ne pas venir quand vous avez besoin de lui, la probabilité est hélas grande que lorsque vraiment les choses tourneront mal, il aura encore plus de raisons de ne pas venir. Essayez de vous évaluer les uns les autres pour savoir si vous pouvez compter les uns les autres, les uns sur les autres. Mieux vaut un clan restreint où chacun est efficace et complémentaire qu'un clan où trop de gens y sont impliqués, mais où donc beaucoup seront déboulés. Réduisez votre nombre, multipliez les clans et préparez-vous. Et formez-vous. Formez-vous spirituellement. Formez-vous intellectuellement. Formez-vous physiquement. Rien n'est superflu dans ce que je viens de dire. Spirituellement, parce que quand tout va mal, quand vraiment vous serez dans un système totalitaire qui ne laissera rien au hasard, la foi sera essentielle pour encaisser les chocs. Les chocs seront tellement durs
que si vous n'avez pas la foi, vous ne résisterez pas. Formez-vous intellectuellement parce que vous aurez besoin de retrouver notamment dans l'histoire des analogies qui vont vous permettre de tenir bon. Formez-vous physiquement parce que bien sûr, il faudra que vous ayez une mobilité et une capacité à faire des choses que vous n'envisagez pas encore aujourd'hui. Ayez toujours ces moments de conclusion en tête, deux grands moments où tout semblait perdu. Lorsque l'Espagne et la région toulousaine ont été occupées durant 8 siècles par les mahométans, par les forces mahométanes, il y avait toutes les raisons pour désespérer. 8 siècles, c'est long. Vous êtes combattant et vous savez que vos enfants... Enfin, vous ne savez pas, mais vous voyez en vieillissant que ça ne s'améliore pas. Vous êtes combattant. Vous ne voyez pas la victoire. Vos enfants ne voient pas la délivrance. Vos petits-enfants ne voient pas la délivrance. Vos arrière-petits-enfants ne voient pas la délivrance. Vos arrière-arrière-petits-enfants ne voient toujours pas la délivrance. Mais au bout de 8 siècles, parce que vous avez été fidèles, Dieu donne enfin la victoire. Et c'est ce qu'il faudra être prêt à répéter demain. Et voyez une autre analogie, c'est l'Union soviétique. Elle est plus proche de nous, elle permet beaucoup d'analogies techniques avec ce que nous allons vivre. 80 ans environ de totalitarisme soviétique qui a eu des répercussions non seulement sur l'URSS elle-même, mais sur tous les pays satellites, Pologne, Hongrie, Roumanie, etc. Et au bout de 80 ans, alors que ça semblait être un monstre indestructible, ce système s'écroule. Et contre toute attente, ces populations-là, en retrouvant leur liberté, se tournent vers Dieu. Retournent dans les églises, dans les chapelles, pratique comme nous ne pratiquons plus, retrouvent dans la foi leur espoir et ont une tenue morale dont nous sommes aujourd'hui jaloux, empêchant les gay prides comme il ne nous est plus possible de les empêcher. Eh bien, voyez comme ces deux analogies nous montrent que même quand tout semble perdu, il ne faut jamais désespérer. Ayez la foi, soyez courageux, organisez-vous en clan. Dieu donnera la victoire, quelles que soient les épreuves. Merci à vous.